Aymeric Waterloo, du Conservatoire botanique national de Bailleul, chargé de mission sur les espèces exotiques envahissantes. Ici, on est sur les marais communaux d'Ailly-sur-Somme. Nous avons été contactés par les usagers, à savoir principalement ici sur ce secteur, les chasseurs et les pêcheurs. Ce matin, nous sommes intervenus sur un fossé en lien avec des gènes occasionnés par la prolifération de la Jussie, Ludwigia grandiflora sous espèce Hexapetala, qui est une espèce visée par le règlement et qui est également réglementée maintenant au niveau national. Ici, le but du jeu, c'était de sensibiliser, d'informer les usagers et les inciter à intervenir, éviter d'intervenir quand il est trop tard, quand il y a beaucoup de volume à arracher. Donc ce matin, nous avons, avec l'aide de la commune d'Ailly-sur-Somme et la PPMA locale, donc les pêcheurs, engagé un chantier d'arrachage manuel. Et ici, nous sommes sur un autre secteur avec d'autres impacts en lien avec la prolifération sur une mare qui est chassée. Donc là, on a vraiment l'illustration de la prolifération de ces herbiers de Jussie qui viennent coloniser l'ensemble de la pièce d'eau. Et on va dire sur une décennie, l'accumulation de la biomasse accumulée, générée par la Jussie, se dégrade chaque hiver. Donc les parties aériennes meurent. On a une sédimentation de cette matière organique et donc une accélération de l'envasement. Moi, j'ai connu ce secteur il y a 10 ans où on avait encore un petit peu d'eau. On venait arracher pas régulièrement, malheureusement. Maintenant, on peut voir qu'on a quasiment plus d'eau. Tout est envasé. Et donc là, maintenant, il est vraiment urgent de s'investir, mais de manière régulière. C'est-à-dire pas faire des interventions tous les 5 ans, on sait très très bien que dans ce cadre de prolifération, notamment sur la Jussie, il faut intervenir au moins 2 fois dans l'année, à savoir au mois de mai, en début de période de végétation. On intervient et on reprend fin août, septembre, c'est ce qu'on appelle arracher les reprises. Donc ici, voilà ce qui s'est passé sur la Grande Vasère d'Ailly-sur-Somme.